Voici le guide complet des défis de la semaine 6 de Fortnite. Le premier défi va vous demander de parcourir 300 mètres en glissant. Donc pour réaliser ce défi, vous avez juste à sprinter. Dès que vous êtes en train de sprinter, vous appuyez sur la touche s'accroupir. Et là, vous glissez sur 300 mètres de distance. Dès que vous aurez fait ça, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de vous cacher dans une meule de foin, une benne à ordures et des toilettes mobiles. Donc pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille, c'est de vous rendre directement à Frenzy Field. Donc juste à cet emplacement là, vous allez trouver plein de meules de foin. Donc ce que vous allez faire, c'est tout simplement vous cacher dedans. Et dès que ce sera fait, là vous allez vous rendre un tout petit peu plus haut, donc à la pompe à essence qui se trouve juste ici, un tout petit peu plus haut. Et là vous allez trouver une benne à ordures et des toilettes mobiles. Alors la toilette mobile se trouve juste à droite de la pompe à essence, vous vous cachez dedans. Quand c'est fait, vous ressortez. Et juste derrière, il y a une benne à ordures qui se trouve juste ici. Vous vous cachez dedans. Et dès que vous vous serez caché dans une benne à ordures, une meule de foin et une toilette mobile, bah là, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires en tirant sans viser avec un fusil d'assaut ou un pistolet mitrailleur. Donc vous allez devoir trouver un fusil d'assaut ou un pistolet mitrailleur. Ensuite, vous allez devoir trouver un adversaire et là, vous allez devoir leur tirer dessus pour leur infliger 500 de dégâts, mais sans viser. Donc vous tirez tout simplement comme ceci et surtout, vous ne visez pas, sinon ce ne sera pas comptabilisé. Dès que vous aurez infligé 500 de dégâts aux adversaires sans viser avec un pistolet mitrailleur ou un fusil d'assaut, bah là, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'obtenir des lingots sur un joueur éliminé dans plusieurs parties. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir tout simplement éliminer un adversaire. Ensuite, vous récupérez les lingots d'or que l'adversaire va lâcher en mourant. Et vous allez devoir le faire dans 3 parties différentes pour terminer le défi. Le prochain défi va vous demander d'éliminer des adversaires qui vous ont infligé des dégâts. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir attendre que les adversaires vous infligent des dégâts. Ensuite, vous allez devoir les éliminer et vous allez devoir en éliminer 10 comme ceci. Le prochain défi va vous demander de visiter différents lieux-dits à bord d'un véhicule. Donc pour réaliser ce défi, il vous faudra un véhicule. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est tout simplement visiter 7 lieux-dits. Vous n'êtes pas obligé de le faire en une seule partie, mais vous allez devoir visiter 7 lieux-dits. Donc les lieux-dits, c'est Slappy Shore, Brutal Bastion, Shady Steel, etc., etc. Donc tous les noms des villes que vous voyez écrits sur la map, ce sont des lieux-dits. Donc vous en visitez 7 en étant à bord d'un véhicule et dès que ce sera fait, bah là vous aurez terminé le défi. Le dernier défi va vous demander de réussir 10 tirs dans la tête sur des adversaires avec le fusil tireur d'élite. Donc pour trouver le fusil tireur d'élite, vous pouvez vous rendre près de ce personnage qui est juste ici à Krikikumpun. Et ce personnage là va vous vendre justement le fusil tireur d'élite pour 250 lingots d'or. Donc si vous voulez pas le chercher, vous le trouvez, vous l'achetez à ce personnage là. Ensuite, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement trouver un adversaire et infliger 10 tirs tête aux adversaires. Dès que ce sera fait, bah là, vous débloquerez les récompenses. Code créateur SCL.